Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur Grand Utopia, le retour. Nous sommes actuellement donc avec un camion porteur, ça faisait longtemps. Encore une fois, il faut que je m'adapte entre porteur, semi-porteur. Nous sommes à la Joséphine, juste ici les amis, au nord de la map de Grand Utopia. Magnifique map, dans les précédentes vidéos, on a exploré les routes de la Donne à Cocaine Island. Juste ici, cette île tropicale. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir les nouveautés de Maigotopia, la Donne du nord de la map, qui représente un petit peu, ben, c'est l'imagination du créateur My Godness, avec des petits trucs qui font penser aux États-Unis, l'Amérique, également du truc un peu français, enfin tout ce qu'il aime, toute son imagination. Voilà, nous sommes à la Joséphine et nous allons aller à Fox Haven pour transporter des GRV. Voilà, c'est tout à fait ça. On a ici un tunnel sous la Manche probablement. Écoutez, nous on va se rendre au parking de la cinématique juste ici, et donc nous transportons des GRV, des... oh mince, je sais plus c'est quoi des GRV. Grand réservoir, vrac. Quelque chose comme ça. Voilà, donc nous sommes dans cette ferme avec ce camion porteur. Voilà, hop, on va pouvoir y aller. C'est un plaisir. On est en manuel, hein, je le rappelle. Là au moins, je m'en souviens. C'est déjà une bonne chose. J'aurais pu commencer en quatrième. Donc voilà, les GRV, c'est ça. Tu peux mettre de tout là-dedans. Hein. Tu peux mettre très bien du liquide comme du sable ou du gravier ou des trucs. Enfin, c'est vraiment comme tu veux. Attendez, on va mettre le GPS et on va déjà bien rigoler. On va déjà bien rigoler pour sortir d'ici. Ah oui, mince, attendez, je suis pas en semi, moi. Attendez, ça va passer derrière, là. Oh, ça passe derrière, c'est bon. Après, on n'est pas non plus sur du... on n'est pas non plus sur du 16 mètres, donc ça va. Mais quand même, faut quand même garder en tête qu'on est en porteur et que la vie, c'est pas facile. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti, les amis. Donc jusqu'ici, ça va bien se passer, c'est cool. Et on va déjà bien rigoler pour partir d'ici, parce que moi, je me souviens de là ce qui va nous attendre. Normalement, c'est pas bien méchant, mais la vue est quand même assez effrayante, bien évidemment. Donc là, écoutez, on va partir en mode éco-conduite, tout simplement. Voilà, j'ai pas besoin d'appuyer sur le champignon. Je vais pouvoir claquer le ralentisseur. Et regardez-moi... Oh, il ralentit bien, là, par contre. Ça change de l'autre aventure sur les West Balkans. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4... Je sais pas s'il y a 5 ou 3 crans. Ah, mais attendez, moi mes boutons sont inversés sur ce profil. Attendez. 1, 2, 3. Ouais, j'ai bien l'impression que j'ai 5 crans. Il me semble bien, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Je pourrais utiliser tout simplement le frein moteur. Voilà, tout simplement, je suis un petit peu con moi de rouler... Est-ce que c'est pas magnifique, franchement? Là, on voit un camion vert. Un camion vert, tout vert, vert lime. Ah, oh, c'est pas réaliste, hein. Ah, oh, c'est pas réaliste, hein. MDR. Pour ceux qui auront la ref. Ok, bon, écoutez, jusqu'ici, ça va. J'espère juste ne pas croiser de véhicule, parce que là, j'avoue, je préfère pas tourner la tête et me concentrer, en fait. Hein. Voilà. Je préfère me concentrer sur la façon dont je tourne. Ok. Allez, on laisse couler. Imagine, le camion il monte. Oh, ça ralentit bien, hein. On dirait presque que je suis à vide. MDR. Alors, on va pas marquer le stop. Rien à péter. Bonjour monsieur. Voilà, ça passe crème. Impeccable, ça fait plaise. Ça fait plaisir. Et alors là, c'est déjà de la nouveauté, les amis, pour moi, parce que je sais pas depuis quand ça existe. Voilà, le tunnel de la Joséphine, 6 km. Keep your distance. Oui, voilà, je sais pas, j'ai inventé un nouvel accent, c'est original. Donc pour moi, c'est nouveau, je ne connais pas. Alors on va allumer évidemment les feux de croisement. Je ne connais pas, donc je découvre, c'est un tunnel, donc tunnel. Oh waouh, il y a une statue et tout. La statue de la Joséphine. Je sais pas si c'est ça. Oh, mais c'est trop stylé. Attendez, excusez-moi, là, je fais pas attention à la route, là. Mais c'est incroyable. Waouh, c'est Indy, là, carrément. Elle est en train de tourner dans le vide. Magnifique. Alors, c'est une question que je me pose. Oui, bon, ça, c'est l'imagination de My Godness. Alors, on peut se référer à la taille de la statue pour s'imaginer de quand on arrivera en bas. Mais est-ce que c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie, ce genre de truc? Alors, je pense pas pour des raisons de sécurité, parce que si là, il y a un incendie, si on doit évacuer, je vois pas comment faire. Il y a peut-être des portes de sortie de secours, hein.
Mais là je vois pas comment tu pourrais évacuer. Ça y est, on arrive en bas. On commence à arriver en bas. Là on voit les jambes de la demoiselle. Pardon. Oh non, c'est la première fois que je fais un truc pas RP. Bah oui, bah voilà. C'est du hors série les amis, hein, je vous l'ai dit. Hein. De toute façon, les routes d'Akokan Island qu'on a pris avec le porteur, c'était pas réaliste non plus. Hein. Oh les pieds, ah voilà tous les fétichistes. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Hein. Voilà, 70, on peut rouler. Oh, il y avait les flics. Il y a la douane. Énorme. Ok. Et donc là, ça va être une grande ligne droite. Jusqu'au bout. Donc je pense là, clairement, que je vais vous faire une coupure parce que c'est pas non plus... Oui, ça va être comme ça tout le long, là, regardez. Oh merde. Voilà les amis, je vous retrouve derrière ce camion. Alors faites pas attention aux dégâts aux dégâts de mon camion. Vraiment, ne vous faites pas de mauvaises idées sur tout ce qui s'est passé durant cet itinéraire. Vraiment, il s'est rien passé de bizarre. Ah, mauvais fonctionnement du moteur. Attendez, bougez pas. Voilà, il faut pas s'inquiéter. On est arrivé. Oh là là, regardez la montagne de Volvic. On est arrivé à Bouli. Bouli. This is not the bullshit. Voilà, on va avoir un petit douane, un petit passage frontalier, je crois bien. Et puis voilà, on va donc découvrir ce qu'est. Bah, j'ai hâte de voir du coup. On arrive donc juste ici, on a traversé tout ça. J'ai hâte de voir Foxhaven. J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors moi, je suis plutôt fan plus de en bas, donc de Akokan Island pour le coup, plutôt que MyGotopia. Après, ça c'est très personnel, hein, ça c'est nos avis. Je sais qu'il y en a beaucoup entre vous du coup qui adorent l'univers MyGotopia. Et donc c'est juste parfait parce que MyGodness arrive à faire kiffer tout le monde en fait avec tout ça. Entre Grand Utopia, Akokan, MyGotopia et potentiellement d'autres add-ons qui ne sauraient tarder. Donc voilà, c'est trop cool. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde se régale, tout le monde s'éclate à la queue leu leu. Voilà, finalement. Qu'est-ce que c'est que cette bordure là? Oh mon dieu. Oh purée. Va falloir refaire la route là. Hein. Parce que ça, c'est pas bon du tout ça. Hein. Bon, et mauvais fonctionnement du moteur. Hein. Ça va 2 minutes. On se demande ce qui s'est passé. Non, par contre là. Ça va être ça tout le trajet. Alors attention parce qu'il y a un dodan là. Hein. Hop là. Parfait! Oh, je l'ai bien pris là. Ça se voit que j'ai quand même plus l'habitude entre guillemets du porteur que. Ok. Ah oui, le klaxon c'est pas le même. Hein. On est arrivé. MyGotopia. Salut Vlad. C'est Vlad, c'est mon pote. C'est une blague, évidemment. Ok, hop, vérification des papiers, pas de problème, je suis là pour ça, messieurs, dames. Hey Vlad, fais-moi passer là, c'est moi là, le copain de MyGodness, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. Ah, c'est bon, il va me laisser passer plus facilement là. Il va dire à son collègue. Parfait, merci. Bonne journée. Hein. Hop là. Oh, je tire dans les tours. Hein. Ah là j'ai... C'est terminé l'éco-conduite hein. Ah c'est terminé hein. Bon et eh ben on est arrivé avec le drapeau. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ce drapeau là? Ce panneau? J'ai pas compris, c'était un panneau feu de croisement avec un point d'interrogation. My goodness, ça veut dire quoi? Moi ça me fait peur ici hein, je me sens pas chez moi. Ok, interchange, je vais sur Foxhaven, c'est bien ça. Donc je prends bien à droite. J'arrive pas à passer les vitesses, c'est un truc de ouf. Allez, on va faire ça bien, on sort pas de la ligne blanche. Histoire de montrer que je sais encore un petit peu rouler en porteur, MDR. Ok. Y'a personne, on y va. On avance toutes. Alors, c'est 50 quand il y a de la neige et c'est 100 quand c'est comme là. Bon, évidemment, je suis bridé à 90. Merde. Ah! J'ai cassé mon levier de vitesse. Enfin, j'ai cassé ma boîte de vitesse. Je peux pas passer ma dixième. Oh non. Bon, bah on va rouler à 70. Hein. Oh, j'ai trop le seum. Bon, regardez le paysage, c'est magnifique. Je peux pas passer la 12e vitesse parce que j'ai cassé la boîte à vitesse. Dans le jeu, bien sûr. Pauvre camion, là. Il est en train de tomber en ruine hein, depuis toutes ces péripéties qu'on a fait, là.
Voilà, admirer du coup ce paysage américain, enfin américain, c'est pas American Truck Simulator, hein. Bien au contraire, Nathan Bridge, le pont de Nathan. Qu'est-ce qui est jaune et qui n'attend? On n'attend pas. Ah bah on vient de en bas en fait, on vient juste d'en bas. Bully découverte, voilà. Donc comme dit, c'est pas forcément américain, c'est l'imagination de My Goodness, hein. Je le rappelle, c'est comme ça qu'il nous vend My Gotopia. Cette partie de la map, c'est vraiment son délire, ses délires, ses envies, voilà. Il faut le savoir. Je peux vraiment pas passer ma 12e. Putain. Trollsome. Bon. Allez, 12 minutes de route. Faut que je racle ma gorge. J'ai l'impression que je suis encore malade. Je ne suis plus malade évidemment parce que là ça commence à faire long. On est bien d'accord, hein, rassurez-vous. Mais j'ai encore des excédents. Des restants. Ok, on quitte Bully, tout le monde ralentit, va savoir pourquoi, parce qu'il y a un camion. Ok, il y a un camion qui galère, tout à fait normal, tout à fait à son honneur. Donc là, on allume les feux. J'ai pas compris le panneau avec le point d'interrogation quand même, tout à l'heure, là, c'était quand même vachement bizarre. Bon, moi j'ai des GRV, donc ça fait quand même un certain poids, donc je vais pas pouvoir doubler si facilement que ça. Et pourtant... Oh putain, vous avez vu l'autre qui a surgi de nulle part derrière? Bah ouais, moi aussi je peux faire. Oh, par contre ça, c'est le genre de vue que j'aime. Ça, c'est le genre de vue que j'aime. Ah, ça sert à rien que j'accélère parce que je peux pas passer les vitesses suivantes. Voilà, tu vois, point d'interrogation. Alors je pense que ça veut dire qu'on peut les éteindre. Mais on sait pas, parce que peut-être qu'il fait nuit. Je sais pas si c'est ça ce que ça veut dire le panneau. Ok, on commence à arriver au niveau des virages. Et donc vous voyez ce que j'expliquais, par exemple les lignes jaunes au milieu, bah c'est typiquement américain ça. On n'a pas de ça en France, si je dis pas trop de conneries. Et voilà, en fait c'est un mélange voilà, de toutes ces idées qu'il avait envie de faire en fait. Toutes les libertés qu'il peut pas se permettre sur Grand Utopia. Parce que Grand Utopia c'est vraiment la France pour le coup. Donc il peut pas se permettre de faire je sais pas quoi comme dinguerie. Alors qu'est-ce qu'on est là, on traverse la rivière Cupyard. Ok. La rivière Cupyard. Oh, c'est magnifique. Très joli. Oh, attention, tombez pas, sautez pas. Monsieur, vous faites attention, vous êtes au bord du pont. Hein. Oh, en plus, on voit la fumée, l'évaporation, de la condensation, de la sublimation, de la gazisification. Ok, on a une barrière. Alors, va m'expliquer pourquoi. Ah, parce qu'il y a le train qui passe là, mais c'est super dangereux ça. My goodness, enfin. C'est super dangereux, t'imagines, t'as le train qui passe. Les voitures s'arrêtent sur le pont. Il y a du vent, le pont s'effondre. Bon, au moins le train il passe. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Ou imagine, il y a vraiment un incident sur les rails. Et donc ça fait un gros bouchon sur le pont. Le poids, tout machin, paf, le pont il s'effondre pour quelconque raison. Ah, c'est vrai que c'est compliqué ça. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Voilà, ah lui, il y a une benne là, il va aller au chantier qu'on a vu juste à gauche. Lui, je sais pas où il va. Et apparemment, on a des feux tricolores qui nous attendent. Ah, les feux tricolores, c'est par rapport au pont là. Si jamais le pont venait à fermer, le feu est vert, on y va. J'allume les feux. Beaucoup de pompiers, hein. Alors, je vous rassure, là, je roule pas pour l'entreprise de la TLF. Hein. Là, je peux me permettre de faire des bêtises et tout. Je suis pas en RP. Je suis pas en train de comptabiliser tout ça. J'ai même pas la carte dans le chrono tachygraphe, c'est pour vous dire. Donc voilà, hein, c'est je suis out, comme on dit. Ça bosse. Bah non, évidemment que non, ça discute. Oh, purée de pommes de terre. Oh, il y a les grumiers qui bossent, là. Il y a les grumiers qui bossent. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on bosse, monsieur. Il est en train d'aspirer le bitume. Putain, j'ai failli shooter un cône. Oh, mon Dieu, ça aurait été catastrophique. En tout cas, sur le jeu, parce que les cônes sont en pierre. Oh non, démarre. Ah oui, démarre ou je te démarre, hein. Alors ce qui est expliqué, là on va arriver sur Fox Haven. Justement, c'est là que ça va être intéressant. C'est qu'il y a des petits hameaux, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si on dit hameaux. Ti hameau. Voilà, on arrive à Fox Haven, magnifique. Et donc des petits hameaux, c'est des petits chalets, des petites maisons, il y a des petits trucs apparemment. Pardon, et il y a des routes cachées. Hop, j'y vais, un APT. Attention monsieur, derrière je tourne. Bah ouais, mais il s'en bat les couilles. On est sur Grand Utopia, donc je me permets de voir. Il y a des routes, à mon avis, cachées. Voilà, nouveau passage. J'y vais direct. Hein.
On est là pour ça. C'était sûr. Il y a plein de routes cachées là au moins ici. Merde. Oh la chatte à la gigine. Ouais, il rase. Vous avez vu comment il passe proche des voitures? Hop là. Face à la mer. Oh, c'est beau. Et bah, les cinématiques à gauche. Bah écoutez, on va y aller. De toute façon, je pense qu'en vrai de vrai, le mieux c'est d'aller visiter par vous-même, tous ceux qui auront envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez vu ce freinage, hein, jamais de la vie vous freinez comme ça en camion, mais voilà, moi je peux le faire parce que je suis Sébastien Loeb. Oh purée de pommes de terre, allez hop, la cinématique c'est par ici et on se régale. Et les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Grand Utopia. Un grand bravo évidemment encore une fois au boulot de My Godness bien évidemment, et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo plus sérieuse sur le DLC des West Balkans. Il vient de péter le camion ou...